qui vous arrive, mon petit? J'ai une crise de gigite. Ah! Vous savez ce que c'est? Je suis docteur. Mon toubib m'a diagnostiqué ça sans vraiment préciser ce que c'était. Quoi donc? La gigite. La maladie des acteurs. Mais encore? La peau de la bite qui se délie. Oh, c'est ça même, oui. Qui vous a prescrit de la vaseline? Exactement. Ignorantum. Mais la gigite, pardon, ne se soigne plus comme ça depuis des lustres. Comment alors? Comme la roue petite. Ah bon? Et dans le cas, le traitement par vaseline est long, incertain, voire néfaste. Et alors? Je pratique l'ablation. L'ablation. En cas de gigite sans complication, on opère avec parcimonie. Il n'est pas là. Lui, non, mais j'ai mon bistouri. Non, c'est gentil, docteur, mais... Mais je vais finir mon tube de vaseline. Il est entamé, ce serait bête de gâcher. Faites attention de ne pas étaler au-delà de la zone lésée. Pourquoi, docteur? Vous risquez de vous coller un kékyriasis. Mais c'est grave, ça? C'est la complication classique de la gigite vaselinée et hélas, dans ce cas, plus d'ablation possible. Je peux me faire vacciner? Bien sûr, mais contre quoi? Là, le... Kékyriasis? Voilà. Je vous le déconseille. Pourquoi, docteur? La queue des rats injectée est tombée et leur gigite est restée. Oh, merde. Ouf! Le traitement n'est pas au point. Sur le rat, sur l'homme, je ne sais pas. La recherche piétine. On tâtonne, on farfouille, on espère, on prie. Vous êtes croyante? Je suis médecin. Combien je vous dois? À votre bon cœur, c'est pour la recherche. J'ai pas de monnaie. Nous acceptons les billets. Même les gros? En cas de nécessité absolue, nous rendons la monnaie. J'ai qu'un billet de 100. Oh, pour 100 euros, vous avez droit à la carte à vie de membre actif. C'est tentant, mais vu mon état... Soyez confiant. Pour les cœurs, la science progresse, la maladie recule. La gigite sera vaincue et l'ablation remboursée. J'ai les doigts pleins de vaseline, le billet risque de coller. Je travaille toujours avec les gants. Non, non, je l'ai tripoté toute la journée. Quoi donc? Le billet de 100. Qu'importe, pour la recherche. Docteur? Oui? Je dois prendre des précautions? Bien sûr, mais contre quoi? Ma partenaire. Au pire, elle risque une vagulite écarlate bénigne. Et ça soigne comment, ça? Comme aucune agression envisageable. Alors? Vaseline, jus de citron et carreau trapé. À appliquer? Et la vaseline, oui. C'est la même vaseline que la masculine? Unisexe. Et le jus de citron, je le mets où? Sur les carottes. Et les carottes? Les apprends, une fois râpées, trois fois par jour, la carotte est un rempart infranchissable dressé contre la gigite. Elle agit comment? Elle rosit les cuisses, c'est pas une... Vous en savez des choses, docteur? J'ai prêté serment. Je ne sais comment vous remercier. Moi, je sais. Je vais râper mes carottes. C'est 100 euros. Vous acceptez l'échec? La médecine vit d'échecs. À qui dites-vous? Si la carotte ne réussit pas, madame et vous, je reste à votre disposition. Pourquoi, docteur? L'ablation. Ah, merci, docteur. Faites pas cette bon cœur. Thank you.